C'est pas un phénomène qui est tombé du ciel. C'est pas les Indiens ou les Chinois qui ont créé la mondialisation. C'est une politique déterminée qui a été poussée par les États-Unis en connivence avec la commission de Bruxelles, avec notamment Shirley en Bretagne, qui était à l'époque, dans les années 80, le commissaire chargé des négociations multilatérales, une politique délibérée qui a consisté à démanteler toutes les protections aux échanges de capitaux, de marchandises et de services. Ce qui a permis aux grandes sociétés américaines et européennes d'aller investir en Chine, d'y produire des usines pour bénéficier de salaires qui sont en gros 20 fois inférieurs. C'est ça qui a procuré le développement industriel ultra rapide de l'Inde et surtout de la Chine. Bon, alors maintenant on nous dit, regardez la concurrence chinoise, mais qui a créé cette concurrence chinoise? Et comment faire pour en sortir de cette situation? Nous avons affaire, entre la Chine, l'Inde, l'ensemble des pays d'Asie du Sud-Est, le Pakistan, le Bangladesh, l'Indonésie, etc., nous avons, sans parler du Brésil et des pays d'Amérique latine, nous avons affaire, rien que dans la zone Asie, à plus de 3 milliards de personnes, 3 milliards, qui ont un niveau de vie et des salaires qui sont 20 fois inférieurs. C'est-à-dire que même si en France on supprimait d'un seul coup toutes les charges sociales, ce qui signifie au passage... On ne serait pas compétitif. Voilà, on ne serait pas compétitif, ce qui signifie qu'au passage, qu'il faudrait fermer les hôpitaux, les commissariats de police, l'armée, les écoles, etc. Et donc nous aurions une explosion sociale en France. Donc la France, comme d'ailleurs les pays occidentaux, est en train de perdre, mois après mois, sa substance. Nous perdons plusieurs milliers d'emplois industriels chaque mois. Hein. Et ça n'est pas parce que les charges sociales sont trop élevées, c'est parce que de toute façon, même s'il n'y avait pas de charges sociales, nous perdrions ces emplois, parce que de toute façon, ni nous, ni aucun pays occidental ne sera compétitif face à 3 milliards de personnes qui sont avec un niveau de vie très 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 inférieur, de l'ordre de 15 à 20 fois inférieur.